en PEE ou elle peut également. Comment on doit de manière assez. Elle n'a pas besoin d'ajout. La caméra est accessible depuis son internet web, comme la plupart. Récupérer les informations. Les configurations. Dans le menu local, il y a deux choses assez importantes. La règle, c'est la phase dans laquelle on va passer et la ligne détection. Ensuite, si on souhaite chercher la hauteur des objets dans l'image, puisque la caméra permet cette fonctionnalité. En étant dans le menu config, on va ces deux choses. Petit comptage de personnes. Procéder au début de l'installation. Procéder à l'étalonnage de la caméra. L'étalonnage peut être fait de manière automatique ou manuelle. Préférable de faire un étalonnage manuel lorsque la surface de sol visible par la caméra présente moins de 25% de l'image. Autrement, il est tout à fait possible de passer par un étalonnage automatique. En passant par un étalonnage automatique, la caméra équipée de ces deux objectifs va faire une mesure par sol et sortir un résultat. Le résultat, s'il est assez proche de la réalité, donc dans une fourchette d'environ 5%, vous pouvez considérer qu'il est correct et continuer avec l'étalonnage qui a été réalisé par la caméra. Une fois que l'étalonnage est réalisé, on va pouvoir passer à la configuration de la zone de comptage et de la ligne de détection. Donc, la zone de calibrage ou d'étalonnage plutôt de la caméra est la zone verte. Dans la zone verte, on va avoir la zone rouge qui est la zone de comptage. Cette zone est fixe et ne peut pas être modifiée. Elle est directement calculée par la caméra. Et dans cette zone, on va avoir la ligne de passage. Donc la ligne peut être droite comme dans l'exemple vous avez à l'écran, ou bien on peut la rendre, on va dire, courbe et définir le sens de passage à l'aide des doubles flèches. Le sens de la flèche indiquant le sens entrée. Il est important que la ligne de détection ou l'ensemble de lignes de détection comme vous l'avez là soit intégrée dans la zone de comptage qui est la zone rouge. Donc, avoir des problèmes de fonctionnement. Une fois que cette configuration est réalisée, on va pouvoir passer au planning de surveillance et éventuellement à l'envoi d'email, par exemple si on a besoin de récupérer un rapport au format texte, de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle ou éventuellement annuelle. Donc, une fois que c'est fait, bien entendu, il ne faut pas oublier à enregistrer les changements qui ont été réalisés pour justement réaliser le comptage selon ce que la caméra nous a donné comme étalonnage et les informations qu'on lui a renseignées ensuite pour le sens de passage et le format de la ligne de détection. Au niveau du planning, par défaut, le système est en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on peut le voir ici. Après, bien entendu, tout ça peut être édité. Ensuite, la méthode de liaison, il n'y a pas énormément de choix. On peut juste avertir le centre de surveillance, c'est-à-dire le logiciel.
que l'on va également retrouver dans le menu de comptage de personnes, c'est le menu chargement des données. Donc par défaut, il est sur off. Et si on a un usage complètement autonome, il est plutôt recommandé de le laisser sur off. Ce menu-là permet uniquement, en cas de nécessité, d'envoyer des informations de comptage par HTTP vers un serveur tiers qui éventuellement fera un traitement de ces informations. Chose qui peut être importante, toujours dans le menu chargement de données, on a l'envoi d'un rapport par email. Donc, en fonction de votre besoin et moyennant une configuration dans le menu réseau et dans le menu SMTP, une configuration correcte de l'envoi d'email, vous allez pouvoir par exemple envoyer un rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel sur une adresse, sur une ou plusieurs adresses email. Enfin, on va avoir le menu avancé. Menu avancé qui nous permet d'afficher les informations de la règle de détection sur l'image, d'afficher, si on le souhaite, les informations de hauteur sur l'image également. Donc ça, c'est directement sur la vue directe de la caméra. Et en cas de besoin, de pouvoir limiter la détection au-delà d'une certaine hauteur. C'est-à-dire, dans le cas présent, compter les personnes ou tout ce qui est supérieur à 1 mètre de haut dans l'image, sachant que forcément tout ce qui sera inférieur ne sera pas compté, puisque pas très important dans le cadre de notre comptage. On peut également définir le sens de comptage de la caméra si on souhaite compter que les entrées, que les sorties, l'ensemble des... éventuellement les entrées avec passage. Ce mode-là n'est pas forcément recommandé pour avoir un comptage efficace. On a également la possibilité de réinitialiser, soit manuellement, soit tous les jours à une certaine heure, le comptage de la caméra pour éviter d'avoir des informations qui se regroupent de jour en jour. Et également la possibilité de purger la mémoire interne de la caméra pour revenir à des valeurs nulles. Voilà comment doit se configurer cette caméra pour faire du comptage. La caméra n'étant pas à proximité de mon ordinateur, je vais vous diffuser quelques petites vidéos qui ont été réalisées pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner en temps réel. Par exemple, au niveau de l'affichage de la taille des objets. Donc lorsque quelque chose ou quelqu'un se présente en dessous, on va avoir tout simplement une estimation de la taille des objets en temps réel de la caméra, ce qui vous permet de voir si la discrimination ou le filtre par taille que vous avez déterminé a un fonctionnement correct ou non. Au niveau du passage, lorsque quelque chose ou quelqu'un arrive dans, plutôt quelqu'un arrive dans la zone de passage, vous pouvez voir que donc le sens entrée étant du haut vers le bas dans cet exemple, là la personne passant du bas vers le haut était comptée comme une sortie et passant ensuite du haut vers le bas est considérée comme étant une entrée. Je vais récupérer les vidéos. Donc, ensuite, on a des passages donc doubles, par exemple côte à côte de deux personnes. Donc là, dans le sens sortie, on a bien été compté à deux personnes. Et maintenant, dans le sens entrée, tout ça, bien entendu, c'est en temps réel, hein, il n'y a pas de ralentissement du tout sur ces exemples. On a ensuite un passage double en file indienne. Pour l'exemple, donc une première personne, puis une deuxième dans le sens sortie, encore une fois, et maintenant dans le sens entrée. On a également des passages qui peuvent être éventuellement perturbés, où une personne là dans cet exemple passe avec une chaise d'une certaine hauteur pour vérifier que uniquement la personne soit comptée et que la chaise, en l'occurrence ici, ne compte pas pour un passage. Et on a également un exemple juste avec la chaise
qui va passer dans la zone de comptage et qui ne provoque aucun comptage ni en entrée ni en sortie. On va voir le passage en sortie. Voilà. Bien entendu, la hauteur d'installation de ces caméras-là est limitée. Donc voilà pour le modèle U-519, focale avec une focale de 2 mm. La hauteur de montage varie entre 2,50 m et 4 mètres pour une surveillance au sol de 1,80 m pour une hauteur de 2,50 m jusqu'à 5,20 m pour une hauteur de 4 mètres. Donc il faudra faire en sorte de rester dans ces limites-là pour avoir un fonctionnement aussi précis que possible de votre système de comptage. Et forcément, la bonne installation de cette caméra est primordiale pour avoir un résultat aussi précis que possible. Donc maintenant, on va revenir sur l'interface web de la caméra et procéder à une recherche. Donc la recherche se fait dans le menu, la recherche des informations de comptage se fait dans le menu Application. Et ici, on va choisir ce que l'on souhaite récupérer. Par exemple, un rapport hebdomadaire en entrée ou en sortie. On ne peut pas faire les deux en même temps sur l'interface web de la caméra directement. Et on va cliquer sur Statistiques. Donc le premier élément est un tableau où on va voir le nombre d'entrées correspondant à tous les jours de la semaine. On peut également avoir ce résultat sous forme de graphique, soit sous forme de barre, soit sous forme de courbe, avec les jours et le nombre d'entrées approximatif. La seule recherche qui puisse être exportée est la recherche sous forme de tableau. Et quand vous exportez cette recherche, elle sera exportée au format CSV, donc un format qui va s'ouvrir éventuellement avec Excel, et qui représentera donc ce fameux tableau avec une colonne pour les jours et une colonne pour le nombre d'entrées ou nombre de sorties. Il est également possible de récupérer ces informations via le logiciel UVMS qui est fourni avec les caméras. Pour réaliser cette recherche, bien entendu, la caméra devra être ajoutée dans les périphériques dans les périphériques connectés de votre logiciel. Et le menu de statistiques comptage de personnes devra être activé. Donc, si jamais il n'est pas activé de base, vous allez dans le dernier menu, dans la partie utilisation et contrôle, et le menu qui s'appelle statistiques, et vous cochez la case correspondant au comptage de personnes. Une fois que c'est fait, l'icône comptage de personnes apparaîtra dans l'interface du logiciel. En cliquant sur cette partie, vous pourrez sélectionner donc la caméra, éventuellement sélectionner encore une fois un rapport pourquoi pas hebdomadaire, sur une caméra ou plusieurs en même temps, si jamais il y en a plusieurs sur l'installation, avec le logiciel c'est faisable, et en entrée et sortie par exemple. Si on fait découvrir, on va avoir la recherche. Et bien entendu, ça n'a pas fonctionné. Donc on va recommencer avec un rapport quotidien, par exemple. Sur la caméra en entrée et sortie à la date du jour ou d'aujourd'hui, peu importe. Voilà. Donc là, vous avez la recherche pour la date du jour avec les tranches horaires, donc d'une heure dans lesquelles la caméra a compté des entrées et des sorties. Et ça peut être exporté également avec ce petit bouton qui est là, donc soit au format barre, soit au format courbe. Voilà ce que l'on peut faire directement avec le logiciel avec la caméra de comptage. Je ne peux pas vous le montrer à l'instant, puisqu'il est également possible de récupérer ces informations sur certains NVR de la gamme Hyundai. Mais il est possible de les récupérer uniquement localement. Via l'interface web des NVR, il n'est pas possible de récupérer ces informations.
Donc, lorsque vous voulez récupérer ces informations-là sur un NVR avec une caméra de comptage, ajoutez à votre NVR la caméra de comptage et rendez-vous dans le menu Recherche Vissier, qui va être le menu dans lequel vous allez avoir l'option Comptage de personnes. Alors, n'essayez pas de le faire tout de suite après avoir ajouté la caméra sur votre enregistreur, car il va falloir plusieurs dizaines de minutes à la caméra et à l'enregistreur pour synchroniser leurs données. Donc, une fois, mettons que vous laissez passer une petite heure, une fois que vous avez passé donc un certain temps, vous pourrez récupérer ces données, encore une fois sous forme de barre, sous forme de courbe, directement depuis l'interface locale de votre enregistreur et les exporter. Et quand vous les exporterez, vous serez au format CSV. Voilà principalement comment on doit se configurer cette caméra de comptage et comment il est possible de récupérer ces informations directement sur la caméra ou bien sur le logiciel HYQ VMS. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.